ArcelorMittal Société Anonyme, est une société mondiale dans le domaine de la sidérurgie, dont le siège social réside au Luxembourg, avenue de la Liberté. Il s'agit là, de la plus importante entreprise mondiale sidérurgique, et leader du marché dans l'acier pour une utilisation dans divers domaines, tels que le domaine automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. Il dispose d'importantes ressources propres de matières premières, et d'excellents réseaux de distribution étendus. La société telle qu'elle fut fondée le 26 juillet 2006, par la fusion d'Arcelor et de Mittal Steel. Il se classe dès lors 99e du classement Fortune Global 500 en 2010. En 2008, Monsieur Mittal ouvra à nouveau la ligne à chaud de l'usine Cotril en Belgique, répondant ainsi à une demande accrue du marché de l'acier, et assurant à de nombreux travailleurs belges un investissement sur le long terme. Il y a de cela quelques semaines, ArcelorMittal annonça que cette même usine serait fermée et que 600 travailleurs perdraient ainsi leur emploi. Il est néanmoins estimé que plus de 4000 travailleurs seraient impactés indirectement par cette décision. Cette décision fut prise outrepassant la promesse officielle d'il y a 3 ans que cela ne se produirait pas. En 2010, ArcelorMittal accusa un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars. Ceci démontre une fois encore l'exemple parfait d'une multinationale prête à mentir sur l'autel du profit, pour elle-même et pour ses actionnaires. La stratégie d'ArcelorMittal fut officiellement condamnée par le Parlement européen, ainsi que le gouvernement belge. Aucune solution juridique ne fut trouvée contre cette gigantesque multinationale. Nous, Anonymous Belgium, estimons et qualifions cette situation d'injuste et d'inacceptable. Anonymous Belgium condamne la stratégie d'ArcelorMittal, et utilisera tous les moyens à sa disposition en faveur des milliers qui risquent de perdre leur emploi. ArcelorMittal, par ses méfaits, s'est donc officiellement autodésigné comme cible d'Anonymous Belgium. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.